Hello, hello, my banana milkshake. Coucou, my banana milkshake. J'espère que vous avez la recette là. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Chez moi, on appelle ça Sumbala. Don't even know how to explain this one to you guys. Hein? Street food, les manger de la rue. Ça, c'est sweet potato, du taro, sel, Sumbala et huile rouge. This is sweet potato, patate douce et les taro, cacao powder. Coconut, I mean, why look at me, how I'm talking. And salt, and that's crayfish, me with, how do you call it? Local beans, and chili, and oil, red oil, and coconut, and salt. This one, I don't even know how to explain to you guys. I don't know. My country people, they know this one. They always sell it outside in the street. So I'm gonna boil this one. I already washed them everything. J'ai déjà lavé tout et tout. J'ai tout lavé d'abord avant de laver. Donc, je vais utiliser la moitié de ça. Je ne vais pas tout utiliser. Je vais juste utiliser la moitié. Mais la recette, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais, tell me in the comment below how you call this one in your country. This recipe. In my country, we call it Sumbala. Ah, Jabere. There's so many names in my country. Sumbala jabere, actually boiling. Oh, it's so yummy, simple, but so delicious. I'm telling you. I always remember this one in primary school. I used to love this one, to buy this one. There's another option too, to do like this, but next time I will do that video too. If you know the name of this in English, because I don't even know the name of this name in English, honestly. I'm gonna boil this one for 10 minutes, 10 to 15 minutes. And look at now, it's so soft. Je ne connais pas le nom de la recette là en anglais ni en français. Mais j'adore la recette là. Dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça chez vous. Parce que chez nous, on appelle ça Sumbara. On mélange ça avec l'huile rouge, avec du Sumbara, avec un peu de sel. Et c'est très simple, mais très délicieux. It's so simple, but it's so delicious. Snack. In Africa, street food. You know, street food is so lovely. And now, I'm gonna peel it off and mix everything together. Voilà, je vais enlever la peau maintenant. Et après, on va mélanger. C'est très simple, mais oh, I use this. So I remember this one. I didn't put banana. Sometimes you put green plantain. Des fois, on met la banane en vert là aussi, très très vert, pas mûr, et tu bouilles aussi. Mais moi, je préfère les deux là. Souvent, même en achetant, je préfère la patate douce et du taro. I know some people, they put banana. But me, I prefer cacao nyam and, how do you call it? Sweet potato, the white one. I use the sweet potato white one. I didn't use the Irish one because I like this one more. It's more yummy on this one. This recipe. I enjoy it, I eat it, I remember me back home. Oh, I say, oh, I miss this one, miss this one. I hope you enjoy this video. J'espère que vous allez aimer la vidéo là. Comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça chez vous. Ou bien si tu as le nom en anglais ou en français, dites-moi. Tell me in the comment section if you know the name of English or another language or your local language. In my local language, we call it Sumbala. Et voilà, je vais mettre l'huile rouge ici dans mon casserole. I'm gonna put oil in my milk pot and salt. Just three ingredients, but it's so delicious. Especially that Sumbala, especially this Sumbala. Oh, so delicious. So, je vais mélanger ça très bien et je vais mettre sous feu doux juste pour 1 minute. Après, je vais renverser sur ma patate douce. I'm gonna put this one in. I'm gonna mix everything together first and put in the cooker for just for 1 minute, yeah? No more than 1 minute. All right? More sumbara. Those sumbara is just local base, crayfish and chili. That's it. We mix it together, grind it. And we call it Sumbala now. It's local beans, Nigeria people. It's local, you see. Just 1 minute is fine now. No, so I'm gonna take it out and go and pour everything. I'm gonna put the rest of the salt because I boiled my sweet potato and coconut without salt
And that's it, it's finished. So I'm gonna, whoa, the smell of that. Oh my goodness, I wish you can smell l'odeur de ça. Si vous pouvez la sentir, c'était très bon. Et je renverse tout, sorry. Je renverse tout ici. Si tu veux, par exemple, encore, tu peux mettre plus de Sumbala ici. If you want, you can put more those local beans, powder, and crayfish and chili again. But for me, it was fine like this. I don't want it too much. Because sometimes local beans upset your stomach. Parce que des fois, Sumbala là, ça va te donner la diarrhée. Voilà, je mélange. Oh my dear. Please try this recipe. If you never have this one, try it. And come back to me, please. Si tu n'as jamais mangé ça, tu as Sumbala chez toi. Vous mangez du Sumbala chez vous. Fais, tu vas voir comment ça y est. C'est très bon. Et du taro, c'est très bon. C'est bon pour la digestion, hein? Et c'est très bon pour la santé. Du taro et les patates douces, là. C'est très bon pour la santé. Cacao yam is so good for digestion. And vitamine C. Il y a vitamine C dans le taro aussi. Donc, c'est très bon, c'est très bon. Et voilà, c'est fini. C'était juste une petite vidéo pour vous. J'espère que vous allez aimer ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, partager, aimer, like it, ok? Don't forget to subscribe and like it and comment. I hope you enjoy this video. If you know this recipe, make it and enjoy it. À très bientôt. Be safe. À très bientôt pour une autre vidéo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이